mis sur d'un tir de gars, mais life be like yo. Nu vill jag kunna ge tillbaka allt jag inte kunnat ge förut. Det finns ingen annan där som kan stå här by my side, oh why. Sättet du rör på det får mig att dö för dig, baby. För de här Yardis, Yardis, de vill ju bara dra ner oss. Men du är fett och vanlig. På det jag lägger all min tid, oh. Jag vill ha dig, ha dig. Du får mig känna safety. Ni kan nog le dig, baby. Och jag kommer aldrig ändra mig. Jag känner så här för någon annan än dig. Aldrig, aldrig, aldrig. Kommer aldrig känna så här för någon annan än dig. Varje gång jag bak på dig, jag tänker åh vilket kap jag gjort. Jag skulle gå tillbaka i tid, göra om allt igen nu. Förstå, förstå, förstå. Ser det som ett alltid det jag vill wifea. Yardis, Yardis, de vill ju bara dra ner oss. Men du är fett och vanlig. På det jag lägger all min tid, oh. Jag vill ha dig, ha dig. Du får mig känna safety. Ni kan nog le dig, baby. Och jag kommer aldrig ändra mig. Alors bonsoir à tous, aujourd'hui on est à la Villa Poche pour l'anniversaire de Joachim et le lancement de son conte. Alors, conte et petite histoire bantou racontée aux enfants du monde. Le titre m'interpelle parce que c'est un. Moi j'ai l'impression que c'est une forme de, d'appel à l'ouverture. C'est-à-dire qu'on raconte des contes et des histoires bantou, donc de chez nous, bien de chez nous, mais par contre pas aux enfants africains ou aux enfants bantou, mais aux enfants du monde. Alors ce soir on a l'honneur d'être accompagné du héros, du grand héros. Il est très timide, il ne veut pas trop parler, mais nous on parle de lui. Parce que lui, au niveau international, on l'a entendu. Au niveau national, on l'a entendu. Je laisse vous présenter monsieur. Le micro. Bonsoir, je m'appelle Lassana Batili. Ouais, Lassana Batili, celui qui a sauvé la vie de nombreuses personnes lors des attentats en France. Ouais, les attentats à l'hypercachère pour le 25. L'hypercachère, c'était en 2000. En 2015. En 2015. Jusqu'à aujourd'hui, son nom il est là. Comme quoi, dans la vie, hein, il y a des actes qu'on pose indélébiles. Dis-nous un peu, Lassana, il t'a invité parce que lui, il sort un livre. À travers ce livre, il raconte un peu les histoires qui se sont passées en Afrique quand on était plus jeune, en France ou en Occident. Je ne connais pas trop ces histoires. Plus tard, les gens, ils auront ton histoire, tu vois. Les gens qui ont grandi en France, ils parleront de toi. Les petits diront, nous, on avait Lassana qui a fait ça. Après, il y a eu Gassama. Et en Afrique, il y a d'autres histoires. Et lui, il a sorti son livre. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ouais, c'est très bien. C'est très bien parce que déjà, on s'était déjà rencontrés une fois... à la radio Africa numéro 1, il y a deux ans, où on s'est gardé les contacts. Quand il m'avait dit qu'il y aura l'anniversaire, en même temps présentation de son livre, j'ai dit bien, il n'y a pas de problème, parce que déjà je vais travailler, mais quand même je vais faire tout pour que je sois là pour te soutenir. Parce que ça, pour moi, ça a soutenir, parce que quand tu vois un de ton frère qui arrive à faire quelque chose, il faut soutenir. Parce que c'est ça notre problème africain. À la base, on ne se soutient pas assez. Mais pour moi, c'est quelqu'un à soutenir. Joachim, c'est quelqu'un de très intelligent. C'est quelqu'un qui me surprend à chaque fois. Et il m'en avait parlé. Et, voilà, en fait, c'est un mec, quand il dit quelque chose, il va jusqu'au bout de ses idées. C'est bien ça. Ce que j'aime bien. S'il dit, frérot, on va faire ça, ben, t'inquiète pas, il va le faire. Même si ça prend du temps ou quoi que ce soit, il va le faire. Parce que c'est quelqu'un, il est... Joachim, il fait 10 000 choses à la fois, tu vois. D'accord. Mais il les fait. Mais il les fait. Il y a bien. Des gens, ils peuvent te dire, oui, je fais ça, 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 exactement. Mais il va faire qu'un seul exactement. Truc. Exactement. Et lui, il les fait. Mais vraiment, c'est quelqu'un de droit. Je lui souhaite tout le bonheur. Il hein. Faut acheter le truc, il faut l'encourager. Du bär på mina bebis så att när jag visionerar vår framtid. Låt mig hålla dig baby, hey, yeah, hey, yeah. Kommer aldrig känna så här för någon annan än dig. Aldrig, aldrig, aldrig. Kommer aldrig känna så här för någon annan än dig. Jag vet det bara life om jag aldrig. Aldrig, jag vet det bara ta sin tid. Non, réellement, vous êtes un homme d'affaires, vous faites quelque chose. Producteur, je suis producteur.
puis ouais, effectivement, je suis un peu dans tout ce qui est événementiel. Donc organisation de concerts, de tournées en Afrique d'artistes. D'accord, comme qui? Aussi, tout le monde. Je fais tourner tout le monde, Fali, les Américains, voilà. Et parallèlement aussi, je gère, au niveau de Paris, je gère de l'Ange. Beaucoup de personnes, tout âge confondu, souhaitent se lancer. D'accord. On est un peu dans l'ère de l'entrepreneuriat. Hein. On est dans l'ère du il ne faut plus dépendre d'un patron, mais il faut se créer son économie. Il faut entreprendre, innover, créer. Mais c'est très difficile. C'est assez paradoxal. On est dans l'ère où tout le monde veut entreprendre, mais il y a aussi toutes ces difficultés. Pour vous, quelles sont les caractéristiques? Quand je prends mon expérience, en fait, c'est que j'ai tout de suite su miser sur le bon créneau, en fait. C'est un peu, bon, peut-être moi à l'époque c'était un peu facile, je dirais, mais disons que j'ai tout de suite su ce que je veux faire. Parce que souvent, le souci des gens, c'est de vouloir peut-être soit tâter à tout, soit tâter sur l'air du moment. Sincèrement, c'est une très bonne idée, surtout pour quelqu'un comme moi, même si je vis en France, j'ai été bercé par les comptes en Afrique. Donc vraiment, je trouve que c'est une très très bonne idée. Ça va vous parler, Je vais me faire un plaisir de le dire parce que je pense qu'il y a certains comptes que j'ai dû oublier qui vont me revenir. Ils seront en train de dire, mais oui. Voilà, exactement. Donc très sincèrement, c'est très très bien. Alors est-ce que vous pouvez un petit mot pour Joachim pour cet anniversaire aujourd'hui, le lancement de ce livre? D'accord. En tout cas, c'est quelqu'un que j'encourage, que je côtoie dans la vie et que j'encourage, j'ai toujours encouragé de ses initiatives. Et en tout cas, qu'il continue comme ça. Et comme au passage, c'est aussi son anniversaire. Donc en tout cas, bon anniversaire à toi, Frangin. Et tu sais que j'étais toujours soutenu. Déjà, longue vie à toi pour que tu puisses prendre notre succession à nous, tes aînés. Et puis, on sera là toujours pour t'encourager. Bon anniversaire à toi. Ouais, joyeux anniversaire à mon producteur Joachim. Je l'aime bien ce qu'il fait, il est tellement carré, je l'adore. Mais par contre, je n'étais pas prêt pour son livre. Ouais, en tout cas, toi-même tu sais, je t'aime tellement bien, Chris Joachim, joyeux anniversaire. Je m'appelle Priscilla et je suis diplômée de l'école supérieure de la banque. Et actuellement, j'occupe un poste de conseillère en gestion de patrimoine. Nous sommes aujourd'hui pour la sortie du livre de Joachim. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ça, de cette envie de faire office d'interface entre l'Occident et l'Afrique à travers des comptes? Parce que c'est malin, quand même. Vraiment, je trouve que c'est une très bonne initiative de Joachim. C'est un projet qu'il a depuis longtemps et puis ça fait plaisir de voir que ça a été réalisé. Et puis, il y a un côté aussi derrière humanitaire. Donc c'est vraiment une très belle initiative. Joachim, je m'adresse à toi directement. Je te souhaite un très bon anniversaire, beaucoup de bonheur, de réussite dans tout ce que tu entreprendras. Et puis c'est bien parti de toute façon. Donc beaucoup de bonheur. Est-ce que le goût est bon? C'était de l'homme à non. Festo, festo, festo. C'est le son métal, t'es des yaves waïva. Bonsoir, nous revoilà à l'anniversaire de Joachim accompagné de Mr. Benji. Hein? Aujourd'hui c'était le 10 septembre, 12 guests à cette space sélectionnés de manière très... Dis-nous tout Benji, dis-nous tout. Écoute, je crois que ton introduction a été très efficace. Effectivement, nous sommes là pour célébrer l'anniversaire de Joachim. Tout à fait. Qui était un frangin. Un entrepreneur qui n'est plus à présenter et puis un ami avant tout. Donc il était important que je sois là ce soir. Sur le plan humain, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et d'un point de vue professionnel, c'est quelqu'un aussi pour qui j'ai pas mal d'admiration. Parce que il n'a pas peur de se jeter à l'eau, comme on dit. Il n'a pas peur de faire les choses. Et j'aime bien cet esprit d'initiative. Un discours.
bonsoir. Hello. Qui nous a fait l'honneur de nous recevoir dans cet endroit assez luxueux, assez sympa, un quatrième module pour le lancement de son livre pour son anniversaire. Voilà, oui, c'est mon jour, c'est la sortie de mon livre, donc voilà, conter petite histoire bantoue racontée aux enfants du monde. Donc je suis assez heureux. Maintenant, voilà, j'aimerais aussi que, effectivement, donc avoir une petite pensée pour les orphelins au Congo, parce que j'ai une association qui s'appelle Le Coup de Pouce Pouce, et cette association a pour but d'aider tous les orphelins, toutes les veuves aussi, mais beaucoup, beaucoup les orphelins. Donc du coup, voilà, j'ai une pensée pour eux. On a fait une action cet après-midi, on a invité 12 personnes. Oh my God, sorry. On a invité 12 enfants qui sont allés manger à la mandarine, qui est donc une des pâtisseries chic du Congo. Hein, pour ceux qui sont congolais de Brazzaville, ils savent. Et ces 12 garçons, ces 12 enfants, on va dire, c'est les garçons et les filles, pardon, ont été se régaler dans cet endroit assez luxueux pour eux, qui ne voient pas tous les jours, grâce effectivement à l'association qui s'appelle Le Coup de Pouce Pouce. Et en gros, le livre que je lance ce jour, effectivement, une partie des fonds sera reversée à cette association. Et j'espère que mes amis Kiki, Willy et tout ça partiront chacun avec un livre à la main pour permettre à ces enfants d'avoir un toit, un petit matelas ou peut-être, si ce n'est des habits, ne fût-ce que des haillons si vous voulez. En tout cas, mais il faut qu'ils soient habillés, il ne faut pas qu'ils, voilà, qu'ils soient dénudés. En tout cas, Joachim, ça nous fait plaisir d'être avec toi ce soir. Merci de m'avoir convié parce qu'on est très peu. Et si tu m'as convié, je pense que c'est parce que tu as beaucoup d'estime pour moi. Et vraiment, ça me fait beaucoup plaisir. Et voilà. Comme j'ai dit tout à l'heure, je te souhaite longue vie à toi aussi. Parce que c'est d'abord ça. Tu as la santé. Et te connaissant battant, je sais que ça ira. D'accord ? Et surtout, ce qui est bien, tu écoutes les conseils des aînés. Et ça, c'est très important. Continue comme ça et reste humble comme tu es. Ok ? Merci. Longue vie à toi. Bon anniversaire. C'est en fait justement ce qui est pas mal, c'est qu'il raconte les histoires comme lui, il les a vécues. Et c'est justement ce qui est intéressant. Voilà, avec ses yeux d'enfant. Ses yeux d'enfant et son imagination qu'il a toujours gardée, sa persévérance. Et aujourd'hui, ça se traduit, on a le résultat qui est là. C'est un premier livre, mais qui dit qu'il pourrait y en avoir encore des milliers. On n'est pas nombreux à pouvoir se dire aujourd'hui, on laisse quelque chose à nos enfants. Mais lui, il l'a fait. Et ça, c'est ce qui est très important. Je pense que c'est une très 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 belle initiative parce qu'il faut savoir que Chris, c'est quelqu'un qui est, qui est assez altruiste aussi. C'est pas parce qu'il vit en France, moi quand je regarde parfois ses publications, il est toujours très tourné vers le Congo, c'est-à-dire que son cœur bat pour son pays. Et il l'exprime très souvent, c'est-à-dire qu'il a choisi les arts, notamment la musique et aujourd'hui la littérature à travers ses différents contes. Donc il voudrait absolument apporter à l'Afrique, c'est-à-dire qu'il a cette expertise en vivant à l'occidental, en France notamment, mais il voudrait aussi contribuer à l'essor des jeunes générations. Et ça, c'est très très bien. Et il fait partie justement de la catégorie que je classe en termes de Black Excellence, c'est-à-dire des personnes qui voudraient absolument montrer que l'Afrique, ce n'est pas que la guerre ou le sida ou le coronavirus qui fait l'actualité. C'est de dire que, voilà. Et moi, je pense qu'il apporte véritablement quelque chose de nouveau et il touche quelque chose qui, moi, me touche particulièrement, ce sont les enfants. D'ailleurs, la Bible déclare que, amener les enfants, le Seigneur dit amener les enfants car le royaume des cieux leur est dû. Et c'est un peu dans cet esprit, c'est-à-dire que peut-être que lui ne mesure même pas la profondeur de son acte, alors que c'est extrêmement fort ce qu'il est en train de faire. Donc je pense qu'à côté de ça, cela coule de source et cela va certainement apporter quelque chose d'assez exceptionnel dont il ne s'y attend pas dans sa vie. La soirée touche à sa fin, je voulais vous remercier, c'était une soirée remplie de surprises, de rebondissements, de joie, de bienveillance, beaucoup de,
de messages à l'égard de Joachim, un anniversaire spécial, comme il l'a voulu. J'espère que ça vous plaira, je vous embrasse très fort. Maya, votre journaliste 3.0, journaliste TV, j'ai eu l'honneur de couvrir cet anniversaire, j'espère qu'il vous plaira et je vous embrasse. Bonne soirée.